Prêt à embarquer. C'est tout d'abord en équipage que le Marseillais Nicolas Magnan va rallier Saint-Malo via le détroit de Gibraltar pour prendre le départ de la course dans un mois. À bord, il s'agit de ne rien oublier. Il faut aussi enregistrer les fichiers météo. Tout doucement, la pression monte, car la route du Rhum, c'est un rendez-vous mythique, une première pour Nicolas. Moi, j'ai pas d'expérience là-dedans, donc ça va être gestion du stress aussi, parce que forcément, t'en as. Pas très peur, mais surtout, cette espèce de stress de partir avec 125 bateaux sur la même ligne, le même jour, à la même heure, ça va être tendu, quoi. Ça va être super. Le bateau est un monocoque de 14 mètres. Ce ne sera pas le plus grand de la route du Rhum, ni le plus rapide. Mais l'objectif de Nicolas Magnan est avant tout de mener son bateau de l'autre côté de l'Atlantique, en Guadeloupe. Une navigation qui ne sera pas de tout repos, car cette fois, il sera seul à bord. Le truc, c'est d'anticiper, en fait, quand tu es sur un bateau comme ça, où effectivement, on est plutôt fait à naviguer à 7 ou 10, tout seul, tu as intérêt à anticiper pour pas te retrouver à faire des efforts colossaux pour ramener la grand voile, pour ramener ton spi ou ce genre de truc. Donc anticiper, c'est bien gérer la météo, bien gérer ton timing, ton stress et ta fatigue, quoi. Nicolas Magnan avait un petit pincement au cœur ce matin en quittant Marseille. À 57 ans, il réalise un rêve. Suivre les traces d'Éloïc Perron, Florence Artaud ou Olivier de Kersauzon, courir le Rhum, c'est entrer dans la légende de la voile. Allez, Milo,